Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Carrefour Télévisions et bienvenue dans ce programme. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir un journaliste, on peut dire international, l'un des plus influents du continent africain, d'abord du Cameroun bien entendu. Il a été le premier journaliste anglophone à présenter le journal télévisé sur la CTV, ancienne, je vais dire aujourd'hui c'est CRTV, bien entendu, c'était l'ancienne CTV. Il est sur ce plateau avec lui, on va échanger et peut-être vous allez apprendre beaucoup de choses. Bonjour Eric Tchingé et bienvenue sur Carrefour Télévision dans ce plateau. Merci Olivier de me recevoir ici aujourd'hui. Alors, ce sera un vouvoiement ou un tutoiement? On se tutoie. Pour plusieurs raisons. D'abord, tu es un petit frère. Deuxièmement, on se respecte mutuellement. On se connaît bien, donc on se tutoie. Merci beaucoup de me permettre de te tutoyer, mais ça va être difficile pour moi parce que tu es un monument de la communication et j'aurais bien du mal à te tutoyer. Donc, il arrivera peut-être de temps en temps pour nos chers téléspectateurs de me suivre à te tutoyer ou te vouvoyer. Un élément important dans la vie d'un journaliste, c'est l'humilité. Et moi, je le connais et toi, tu le connais. Et je sais que mutuellement, on a... On le sait. Oui, on le sait. Alors, merci d'être arrivé sur ce plateau. Mais bien avant, tu as eu le privilège de visiter nos infrastructures. Quelle est ta première idée après avoir vu tout cela? Les infrastructures... Du Carrefour Télévision. Ah oui, oh là là, impressionné. Vous savez, ça m'a fait penser à nos débuts à la télévision, il y a combien d'années? Il y a une 40, presque 40 ans. 40 ans, ouais. Où tout est aujourd'hui, nous sommes dans l'ère digitale, tout est miniaturisé. Tout à fait. À l'époque, pour avoir ce que vous avez ici, il a fallu un immeuble de... Plusieurs 13 étages. Étages. Ce que nous pouvons avoir aujourd'hui dans un studio de quelle dimension là? En tout cas, c'est extraordinaire ce que j'ai vu aujourd'hui. Mmh. Et c'est une éducation en même temps pour moi. Hein. Je comprends encore mieux, n'est-ce pas, ce que c'est la technologie, la digitalisation, la miniaturisation et ce que nous pouvons faire avec petit. On n'a toujours pas besoin des gros trucs pour réaliser les vraies choses. Tout à l'heure, vous avez eu une séance de travail avec une séance de travail à improviser en plus. Vous n'étiez pas là pour ça. Ouais. Avec notre équipe, vous avez trouvé une jeune équipe. Est-ce que ça vous a frappé de voir ces jeunes à l'œuvre? Oui, d'abord, leur jeunesse m'a étonné. Moi, je croyais que c'était des enfants qui sont venus visiter les studios de Carrefour TV. C'est ce que j'ai pensé, en fait. Tout à fait. Puis, on me dit, c'est des journalistes. Je dis, mais c'est pas possible. Ces enfants sont des journalistes, mais effectivement, il y a 40 ans, je crois que j'étais un peu... À peu près comme eux. À peu près comme eux. Mmh. Et donc, impressionnant. Et c'est pour ça donc, que je me suis trouvé dans... l'obligation de leur parler de ce métier avec l'expérience que j'ai eue, en espérant que certains parmi eux vont en tirer quelque chose et devenir, n'est-ce pas, ces journalistes qu'ils doivent, qui sont en mesure de devenir. Merci beaucoup pour ces cours gratuits, parce que j'ai assisté à la séance, c'était impressionnant. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à notre président directeur général par rapport à ce que vous avez vu? Non, d'abord, j'aimerais bien, monsieur, le féliciter. Vous savez, il y a beaucoup de télévision au Cameroun. Et j'ai visité peut-être presque tout. Oui, tout à fait. Et je fais la distinction. Entre ceux qui créent la télévision pour comme entrepreneur, il faut générer de l'argent et faire des affaires, et ceux qui investissent dans les médias. Il y a ceux qui créent les plateformes médiatiques pour de l'argent. Il y a ceux qui investissent dans les médias. Je peux compter peut-être 3 au Cameroun. Et je vois aujourd'hui que vous faites partie de ces 3-là. Dans les 3 ou un 4e? Dans les 3. Dans les 3.
Merci beaucoup. Dans les trois. Enfin, si ça vient de vous, je n'ose pas, Eric, je ne veux pas donner des noms, mais je vois qui investit dans ce métier. Parce que quand on investit dans ce métier, on n'investit pas seulement dans l'équipement, on investit dans ses journalistes. On investit dans la promotion d'un certain nombre de choses, dans les équipements, dans les immeubles, ainsi de suite. Et je vois chez vous, comme dans deux autres au Cameroun, que c'est un véritable investissement dans les médias, dans le métier, dans la promotion même de la qualité. D'accord. Alors, Eric Djendjé, comment avez-vous découvert votre passion pour le journaliste? Qu'est-ce qui vous a piqué? Le journalisme. Oh, c'est une longue histoire. Et les gens, enfin, je crois que ça va sortir peut-être dans un document que je suis en train de préparer. Mais pour moi, je crois que ça avait commencé avec mon père il y a une cinquantaine d'années. Peut-être, non, qu'est-ce que je raconte? Soixantaine d'années. Quand mon père m'obligeait à faire deux choses. À sortir les batteries de sa radio. C'était un peu comme les batteries d'une voiture aujourd'hui. Sortir ça chaque matin pour mettre ça sous le soleil. Et m'assurer que s'il pleuvait ce jour-là, que ça ne tombe pas sur ses batteries. Donc je sortais ça de la radio. C'était des gros trucs comme ça, des gros trucs. Je sortais ça, je mettais ça sous le soleil. Et puis le soir, je ramenais. Et chaque fois que je ramenais ça, je devais connecter ça à la radio et m'assurer que la radio était sur un certain nombre de stations. Il y avait à l'époque la BBC pour mon père, la Voix d'Amérique, la de Chevelin, ainsi de suite. Donc je mettais ça. Et chaque fois que je mettais ça, j'écoutais un peu ce qui se disait. Et ça m'intriguait que mon père tenait tellement à voir les nouvelles, l'actualité du monde, mais je ne savais pas à l'époque. Mais par ça, je suis... Il était attaché à l'information. Oui, et surtout que chaque fois que je partais à l'école... Je racontais à mes collègues ce qui s'était passé, mais mes collègues enfants ne comprenaient rien, évidemment. Je donne un exemple. Le jour où on a tué Kennedy, mon père, pour la première fois, je l'ai vu pleurer. Mon père. Alors le lendemain, je suis allé à l'école dire que oh, Kennedy est mort. Vous étiez un peu le tam-tam qui transportait plus ou moins. Ouais. Et je raconte cette histoire de Kennedy. Pourquoi? Parce que pour nous, les enfants, Kennedy représentait des camions que Kennedy envoyait en Afrique à l'époque. Tout à fait. Donc les enfants disent, non, Kennedy est mort, il n'est pas mort, on a vu Kennedy ce matin. Tout à fait. Mais Kennedy était vraiment effectivement mort. Alors, est-ce que ça vous plairait de voir ou d'entendre votre portrait dressé par l'une des journalistes que vous avez d'ailleurs rencontré tout à l'heure dans les couloirs? Et elle s'appelle Diane-Laure Miseko. Elle va ici dresser un portrait de vous. Oh là là. On va écouter ensemble. Regardons ce portrait de Eric Djendjé par Diane-Laure. Reconnu en tant que le premier journaliste à avoir présenté le journal télévisé en langue anglaise sur la chaîne nationale camerounaise, la Cameroon Television, aujourd'hui Cameroun Radio Television CRTV, Eric Djendjé est un ancien journaliste de nationalité camerounaise. Né le 8 septembre 1954, l'homme est un journaliste pionnier qui a eu une carrière de tourbillon pleine d'ambition. Icône pour de nombreuses personnalités de la télévision et des diffuseurs d'informations, Eric Djendjé est originaire du nord-ouest Cameroun. Depuis le 1er juillet 2014, il a été nommé directeur général par le président du conseil d'administration de African Media Initiative, Trésor Incube. Cette année après, il a rejoint la Banque mondiale où il travaille comme senior communication officer avec une forte concentration en Afrique et vice-président du World Bank IMF Africa Club. Boursier de l'université de Harvard et diplômé de l'université de Syracuse, il a obtenu un diplôme en lettres modernes. Journaliste pointilleux, il a été rédacteur en chef et présentateur de nouvelles à la télévision nationale du Cameroun à l'époque. Professeur de journalisme à l'École des communications de masse à l'Université du Cameroun, journaliste contributeur à CNN World Report et collaborateur pour Deutsche Welle, Voice of Germany Radio, la BBC et Voice of Africa, le présentateur vedette a dirigé le programme Global Media à l'Institut de la Banque mondiale et à ce titre
a lancé le Image Independent Media for Accountability, Governance and Empowerment, programme de renforcement des capacités et réseaux pour créer un corps de journalistes du développement dans les pays clients de la banque. Il a écrit, publié et donné les conférences sur les médias et le développement en Afrique, son beau et cher continent. Il est officier de l'ordre néerlandais d'Orange, Nassau, et de l'ordre de la Vaillance du Cameroun, membre honoraire du conseil municipal de Memphis, ancien patron de la Cameroon Friends of Nature Society et membre du conseil d'administration de la Fondation Rwanda, le réseau d'autonomisation économique des femmes et le comité des orphelins du sida de Zambie. Dès 2012, il a assuré la direction de la communication stratégique à la Fondation Mo Ibrahim, passé de l'Institut de la Banque mondiale, de son poste de directeur des affaires extérieures et de la communication dans la région Afrique, de la banque et de porte-parole à l'Institution pour l'Afrique. Il a fait un retour à la Banque mondiale en 2008, après 4 ans à la Banque africaine de développement à Tunis, où il était chef de l'unité des affaires extérieures et des communications de cette institution. Du côté de Washington DC, il a été vice-président du Conseil consultatif africain du prestigieux Smithsonian Institute. Parlant couramment l'anglais et le français, un véritable atout, il siège au conseil d'administration de FORS, le FORS Echi Resources Center au Cameroun et Arc Jamas Connection, une organisation musicale à but non lucratif aux États-Unis qui s'engage dans des actes de bonté aléatoires. Le 29 juillet 2023, Eric Tindia a reçu le prix d'excellence au Palais des Congrès de Yaoundé au cours de la 7e cérémonie de remise des diplômes aux étudiants finissant des cycles licence, master, doctorat de l'Université des TIC. Aux étudiants sortants, il a donné des conseils de sage, d'endurance, de persévérance, de culte de l'effort, de la créativité et de l'inventivité. Très récemment, au mois d'octobre, cette figure emblématique du journalisme camerounais a livré une analyse critique de la situation actuelle au Cameroun dans une interview percutante sur Info TV. Eric Tindier est reconnu comme le seul journaliste à avoir interviewé le président de la République, son Excellence Paul Biya, à la télévision publique plusieurs années consécutives. Surnommé « L'homme à tout faire », Eric Tindier propose le travail, rien que le travail, comme voie unique de réussite sociale et d'épanouissement. Son long parcours, ici exploré en quelques mots, est tout simplement une source de motivation pour les jeunes, invités à tourner le dos à la facilité, aux déviances diverses et aux anti-modèles qui influencent de façon négative la jeunesse. En un mot comme en mille, Eric Tindier reste une source d'inspiration. Alors, la première question que je vais vous poser, Eric Tindier, cette jeune journaliste qui fait ce portrait, vous venez de lui parler. Et vous avez dit des mots qu'elle n'avait pas encore entendus. Et curieusement, avant de faire ce reportage, elle a dit. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle est votre impression après avoir écouté et regardé ça? Non, mais je suis... D'abord, la qualité de sa recherche m'impressionne. Parce que là, je retrouve des choses que j'avais déjà oubliées. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué cette jeune femme... Dès que je suis arrivé ici, et je t'en ai parlé. Tout à fait. Son dynamisme, le flair, sa façon de faire et tout. Donc, je crois que un bon journaliste ne se cache pas. C'est comme une lumière. Tout à fait. Et je crois que celle-là représente cette lumière. Alors, pour dire que tout ce qui est là, condensé, ça vous va? Il n'y a rien à ajouter? Non, enfin, tu sais, ma vie... Nos vies sont là sur Internet. Tout à fait. L'Internet, c'est comme un livre ouvert. Tout à fait. Alors, Eric Tindier, quel souvenir gardez-vous de vos débuts à la CTV, comme l'ancien CTV, si on peut dire? Vous savez, des très bons souvenirs, évidemment. Écoutez, j'ai donné ce que j'ai pu et je suis content de ce que j'ai donné. Je suis même parti du Cameroun sans le vouloir. Je crois que... On en parlera tout à l'heure. Un homme aussi spirituel que moi, je crois que Dieu a voulu que je quitte le pays à un moment donné. Donc je suis parti, mais je garde de très bons souvenirs. Mes années à la CIRTV,
des rapports que j'ai eus avec les collègues, mais aussi avec les autorités, le gouvernement, surtout le président de la République. C'est ça, quoi. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas que vous étiez le chef de Charles Ndongo. Beaucoup de jeunes, si je peux dire, vous travailliez en collaboration, mais vous étiez le rédacteur en chef à l'époque. Oui, enfin, vous savez, écoute, ça, c'est même pas important. L'essentiel, c'est que Charles et moi, on a travaillé ensemble, mais je peux même vous donner. Est-ce que la collaboration était fluide? C'est là où la question. Absolument, c'est moi qui suis allé à l'école chercher Charles Ndongo. Il venait de sortir de l'école, donc son recrutement à la CRTV est passé par moi. Lui, Alain Mélébi et d'autres. Pourquoi? Parce qu'on m'avait parlé de cela. On était, quand on a lancé la CRTV, ou la télévision, si vous voulez, quand on a lancé la télévision, c'était Dieudonné Tinépigui et Denise Poté et moi. Tout à fait. Et il fallait renforcer les différentes équipes, en anglais comme en français. Et on nous a parlé, on m'a parlé en tant que rédacteur en chef, on m'a parlé de ces deux personnes qui venaient de sortir de l'école, qui étaient vraiment bien, et c'était Charles Ndongo et Alain Mélébi, et je suis allé les chercher. Il y a des anecdotes que vous pouvez raconter sur Charles Ndongo, Alain Mélébi ou Denise Epoté? Non, des collègues pour qui j'ai énormément de respect, travailleurs et tout. Il faut ajouter à ce groupe-là Barbara Kono. Et toi. Qui, Barbara Kono. Barbara Kono, Barbara et toi, oui. Chacun a sa manière. Charles Ndongo, c'est celui qui... Il aime pousser, il aime... Toujours travailleur infatigable comme vous. Hein. Oui, oui, Charles, sans doute, sans doute. Pourtant, un Alain Mélébi, c'est quelqu'un de très intelligent qui n'a pas besoin de trop travailler. Ouais, en retrait. Oui. Et Barbara Kono, alors, c'est la plus intelligente, mais qui n'a pas besoin non plus de beaucoup travailler. Donc, pour donner à titre d'exemple... Hein, ouais. Quand je présentais le journal bilingue, il m'est arrivé de présenter avec Barbara Kono, comme avec Denise Poté. Mais avec Barbara Kono, vous pouvez attendre jusqu'à la dernière minute. Tout le monde commence à crier, mais où est-elle, où est-elle? Et Barbara arrive très calmement et fait un travail merveilleux chaque fois. Donc... Parlons maintenant de... Je suis sûr que nos téléspectateurs attendent cette partie... La fameuse interview avec le président de la République. Comment est-ce que vous avez réussi à décrocher? Je vous pose cette question de manière simple. Hein, mais comment est-ce que cela se produit pour que ce soit vous, Eric Tshingé, parce que vous étiez rédacteur en chef, ou alors il y avait d'autres raisons? La vraie réponse à cette question, je ne suis vraiment pas peut-être en mesure de donner la... vraie réponse à cette question, mais j'ai tous les éléments nécessaires. Je suis à l'époque, je venais de rentrer des États-Unis. Tout à fait. Je parlais difficilement le français après tant d'années aux États-Unis, donc je n'étais vraiment pas la personne idéale. Tout à fait. Mais à l'époque, le président de la République suivait de près le travail qu'on faisait, donc il nous connaissait tous. Et quand il a fallu parler d'un certain nombre de choses sans passer par un discours officiel, l'idée d'inviter la télévision est venue du président lui-même. C'est pour ça que je dis, je ne maîtrise pas comment le processus. C'est un nombre de considérations, mais c'est venu de lui-même. Et quand il a demandé donc que la télé vienne interviewer, il a choisi un anglophone qui parlait difficilement le français. Mais il était le rédacteur en chef. Je faisais un effort, évidemment, en français, mais le président m'a choisi et je suis allé le voir pour ça. Et lorsqu'on vous annonce que c'est vous qui allez interviewer le président de la République, est-ce que vous avez eu un choc émotionnel? Comment non, un choc émotionnel, certainement pas, mais pour moi, ça fait dans ce métier. On veut toujours donner le meilleur de soi-même. Tout à fait. Et en tant que journaliste, j'ai toujours cherché à donner le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même veut dire quoi? Je prépare tout ce que je dis, tout ce que je fais. Donc, on m'annonce que le président veut me voir pour me parler, je prépare cela.
et je me prépare pour. Donc, ça ne m'a pas choqué. J'ai plutôt vu une occasion extraordinaire. Et sachant que j'étais avec le président, la plus haute autorité du pays, j'étais prêt à tout lui dire et à m'engager. À vous lâcher? Oui, absolument. Non, j'ai pas eu. Non, non, pas du tout. C'était pas. J'étais vraiment pas ému. Hein. J'étais plutôt content. Est-ce qu'on ne lui avait pas soufflé que l'homme le plus courageux dans ce groupe-là, c'était vous? Aucune idée. Justement, c'est pour ça que je te dis, je n'avais pas tous les éléments dont il a tenu compte pour... Parce que l'audace, c'est vous, Eric Tshindié. Cette audace vous conduit à travers le monde aujourd'hui. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'après cette interview, vous avez pu rencontrer encore le chef de l'État? Non, plusieurs fois. J'ai fait plusieurs interviews avec lui. Mm-hmm. Et d'ailleurs, et puis j'ai eu aussi quelques séances privées non diffusées. Non diffusées, oui. Avec lui, oui, certainement. Et puis, depuis je suis parti du Cameroun il y a une trentaine d'années. Mm-hmm. Et pendant cette période-là, de temps en temps, soit le président envoyait quelqu'un me poser des questions sur tel ou tel sujet, ou moi-même, j'essaie de le contacter par certains moyens. Lorsqu'on vous regarde, on a envie de vous poser la question de savoir quels étaient vos modèles. Vous êtes inspiré de quel type? Quels étaient vos modèles à l'époque? En dehors de votre papa, vous nous avez déjà parlé de ça, je reviens sur vos débuts. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait des journalistes qui vous avaient marqué, même dans le monde? On mm-hmm. sait qu'il y avait la Voix de l'Amérique à l'époque qui faisait résonner l'Afrique. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des noms comme ça que vous pouvez citer? Oui, oui. Il y a quelques individus à la BBC, à la Voix d'Amérique, ainsi de suite. Mais au Cameroun, il y avait Peter Essoka. Ouais. Il y avait... Jean Kolotou. Non, Jean Kolotou, c'était après. Oui, c'était après. C'était récent. Ouais. Peter Essoka, Francis Ouété, je vais nommer ces deux-là, et Jean-Vincent Chinéon et Henri Bandolo. Ouais. Mm-hmm. C'est des gens qui m'ont inspiré. J'ai vu comment ils ont travaillé. Quand je suis arrivé à la radio, vous savez, j'ai commencé à la radio. Hein. J'étais à l'université de Yaoundé, mais j'ai travaillé à la radio. Mais ça, on ne le sait pas. Ah oui, mais c'est vrai. J'ai commencé à la radio en 1975. Au poste national? Oui, poste national. J'étais tout petit journaliste là. Mais un monsieur comme Jean-Vicente Chinéon m'a vraiment porté... aidé, m'a enseigné pas mal de choses. Francis Ouété aussi, et dans un certain degré, Peter Essoka. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous aviez une brillante carrière au Cameroun. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter ce pays? Justement, c'est pour ça qu'à un moment donné, un peu plus tôt, je t'ai dit que c'est peut-être Dieu qui a voulu que je quitte le Cameroun, parce que moi, j'y résistais. Mm-hmm. Je donne par exemple le fait que je suis allé il y a CNN qui m'a invité en 87. Mm-hmm. Ils m'ont dit bon, vous pouvez venir passer 3 mois avec nous, patati patata. Je ne suis pas allé. 88, je ne suis pas allé. Mm-hmm. C'est finalement en 89. Donc ils ont répété cette invitation 3 fois et c'est la troisième fois que j'ai répondu positivement, et là, parce que j'étais un peu fatigué, je voulais prendre un petit congé, et je suis allé. Donc, pour vous, partir, c'était aller voir d'autres horizons ou Non, je suis parti d'abord, comme j'ai dit, pour CNN, c'était je voulais un petit congé, et puis leur invitation m'a intéressé sur ce plan-là, mais je voulais aussi voir concrètement comment CNN, qui commence à émerger comme... une télévision mondiale, je voulais voir comment ils travaillaient. Et je suis allé là-bas en 89, je suis reparti là-bas en 90. J'ai vu un peu comment ils travaillaient, ça m'a vraiment intrigué et tout, mais j'ai aussi appris pas mal de choses. J'ai vu un peu comment la technologie commençait à avoir une influence réelle sur l'évolution des médias. Et c'est même à CNN que j'ai appris à utiliser l'ordinateur. Un ordinateur, parce qu'à la CTV, vous n'aviez pas... Non, il n'avait pas. On écrivait tout à la main. Tout à fait. Alors, justement, parlant de quitter le pays, aujourd'hui, de nombreux jeunes
tous veulent aller à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de cette immigration forcée qu'ils prennent souvent et surtout qu'ils empruntent des voies qui ne sont pas toujours honorables? C'est triste sur plusieurs plans. Premier plan, c'est le fait que traverser l'océan en mettant en danger même leur vie, moi je trouve ça vraiment triste. C'est triste parce que ces enfants quittent un pays avec énormément de potentialités. Énormément. Mais malheureusement, ils ne le savent pas. Pourquoi ils ne le savent pas? C'est parce que nous, les aînés, nous n'avons pas créé, n'est-ce pas, un environnement propice pour les aider à mieux comprendre que la vie, ce qu'ils peuvent faire ici, ils ne le feront jamais de l'autre côté. Ils ne pourront jamais le faire de l'autre côté. Avoir cherché la raison d'être, leur propre raison d'être, c'est encore mieux ici que là-bas. Mais ce n'est pas des choses que je peux dire à la télévision comme ça et ils vont comprendre. Donc moi je suis pour cet échange avec l'extérieur. Si je pouvais donner la chance à tous les jeunes Camerounais d'aller voir avant de revenir, pour comprendre, je l'aurais fait. Pour comprendre. Ouais. Mais ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, à nous, voir dans quelle mesure nous pouvons faire en sorte que ils aient cette ouverture vers le monde à partir d'ici, et puis leur donner la chance de mettre en exergue, de mettre leurs compétences au travail, leur intelligence tout à fait au travail pour leur communauté ici. C'est à nous, c'est, le défi va de deux côtés. Alors on parlerait peut-être de la lassitude des parents qui ne se mettent pas assez, ou des aînés comme vous venez de dire. Nous les aînés, nous la société civile, nous le secteur privé, nous et surtout nous du gouvernement. Secteur public. Il y a du travail à faire. Et ce n'est pas compliqué. On parlait tout à l'heure de Limbé. Migration, oui. À Limbé, comme à Douala, et ils sont là, ils peuvent le dire, j'ai rencontré une centaine de créateurs de richesses chez nous. Les jeunes qui font des transformations de nos produits de base. Des artisans qui font des choses, des trucs que nous pouvons placer sur le marché international à tout moment. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Il n'y a rien pour les encourager. Il n'y a pas de structure pour les encourager. Mais je prends cette occasion pour féliciter de tout cœur mon frère et ami Laurent Serge et toute Ningwa. C'est en circulant dans ce pays que j'ai vu le travail que Laurent Serge a fait en tant que ministre des petites et moyennes entreprises. Et d'après ce qu'on me dit, notre jeune frère Bisselekin, qui est le ministre, est en train de suivre ses pas. Donc c'est une très bonne chose. Mais tant qu'on ne le fait pas, parce que chacun de ces créateurs dont je parle, chacun de ces innovateurs, ces artisans, si on les encourageait, ils peuvent créer de l'emploi pour des millions de Camerounais. Et beaucoup de ces millions-là ne vont pas chercher à aller de l'extérieur, à l'extérieur pour s'exprimer. Ok, cela serait un frein à l'immigration clandestine, selon vous, si ces jeunes sont soutenus. Bien qu'on sache que sur place, il y a des personnes qui sont là pour travailler et qui ne le font peut-être pas. Dernièrement, on a vu le délégué général de la Sûreté nationale dénoncer certaines dérives, des responsables. Mais est-ce que là aussi, ce ne sont pas ceux qui ont été nommés pour faire le travail qui n'arrivent pas à mutualiser les efforts? Enfin, quand j'ai entendu M. Mbangangele dire ce qu'il a dit, comme quand j'ai entendu Jean de Dieu Momo, dit ce qu'il a dit. Tout ça m'a énervé.
J'ai trouvé ça énervant. Ce sont eux qui doivent suivre au jour le jour ce qui se passe réellement sur le terrain et attirer l'attention soit de tel ministre ou de tel directeur pour régler le problème et si c'est impossible de régler, de trouver le moyen de le faire ailleurs. Que de venir se plaindre devant nous, les citoyens, moi j'ai trouvé ça dégoûtant. Et tous ces ministres qui ne suivent pas de... Les instructions de... Mais voilà. Ils savent même quel chef d'État. Est-ce qu'ils croient que c'est comme ça qu'il faut servir le président de la République? Non, c'est pas comme ça. Et en fait, avant, il y a mon ami et frère, le colonel Mbako, qui m'a dit de ne pas dire certaines choses, mais je vais le dire. Le président de la République doit pouvoir taper sur ces choses-là. C'est parce qu'il ne le fait pas que ça continue. Que ça continue. Tu vois, tous ces ministres, je les vois circuler dans leurs grosses bagnoles et tout ça. Mais ils doivent s'arrêter et se demander pourquoi ces enfants traînent dans les rues, pourquoi ces trous continuent d'exister, pourquoi il y a autant de saleté dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Limbé, ainsi de suite. Non, il y a du travail à faire. Si on aime son pays, si on aime et on veut servir le chef de ce pays, il y a un certain comportement que chacun de nous doit adopter. Absolument. Et c'est tout. Je ne parle pas pour critiquer qui que ce soit. Ce n'est pas mon but du tout. Mon objectif, c'est de peut-être nous inviter, chacun de nous, de réfléchir sur sa contribution à l'éclosion, à l'évolution de la société camerounaise. Alors, Eric Tchintché, votre poste à la Banque mondiale, était-il un choix purement financier ou il y avait d'autres motivations derrière? Non, mais écoutez, je ne suis pas allé à la Banque mondiale parce que je voulais. Je n'ai jamais fait une demande d'emploi à la Banque mondiale. C'est le vice-président chargé de l'Afrique à la Banque mondiale qui m'a suivi à la télévision et a demandé que ces gens me cherchent. J'étais d'abord ici au Cameroun, et puis après, quand je suis allé à CNN, je parlais de CNN, tout à fait. À l'université de Harvard, il me suivait, ce monsieur. Parce que quand j'étais à Harvard, en 91, ça bougeait en Afrique. Et CNN faisait appel à moi pour commenter, ce qui se passait sur le continent. Et le vice-président en question, M. Kim J. Cox, a demandé à ses collaborateurs de me chercher. C'est donc comme ça que je me suis retrouvé à la Banque mondiale. C'est une plus longue histoire que ça, mais l'essentiel, c'est ça. Et votre rôle précis au sein de la Fondation Mo Ibrahim, on en a entendu parler, mais est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce que vous faisiez réellement dans cette fondation? Non, j'étais directeur de la communication stratégique au niveau de la Fondation Mo Ibrahim. Et vous savez, je suis parti de la Banque mondiale pour aller chez Mo Ibrahim. Parce que j'ai vu Mo s'intéresser, n'est-ce pas, essentiellement sur les questions de gouvernance en Afrique. Et étant à la Banque mondiale, je savais que le problème de fond de ce continent, c'était un problème de gouvernance. Donc, à un moment donné, j'étais d'abord fatigué de travailler à la Banque mondiale parce que je commençais déjà à trop me poser la question si la Banque mondiale est un véritable partenaire de développement de nos pays. De l'Afrique, ouais. Ouais, là. Donc, je commençais à... Et puis, en tant que responsable de la communication de cette banque en Afrique, je ne pouvais pas être rebelle et en même temps promoteur, n'est-ce pas, des idéaux de la banque. Donc, à un moment donné, quand Mo a eu besoin d'un responsable de la communication à la Fondation, je suis allé, mais je n'ai pas duré là-bas. Parce que pour plusieurs raisons aussi, arrivé là-bas, j'ai fait un an et je suis rentré aux États-Unis, à Londres avec lui. Eric Tchintché, quelle est ta perception de la diaspora camerounaise aujourd'hui? Tu étais là-bas, tu es revenu, mais tu peux avoir une idée réelle. C'est vrai qu'il y a une diaspora positive et il y a une autre diaspora. Mais d'après toi... C'est une très bonne question, Olivier. C'est une question importante. Et je vais m'adresser en regardant la caméra à tous les députés qui sont là. Je ne sais pas ce que vous foutez à l'Assemblée nationale, mais réglez les vrais problèmes. Et un des problèmes à régler, c'est cette histoire de double nationalité.
Tout à fait. Aucun pays au monde n'a réussi à se développer sans sa diaspora. Tout à fait. Sans sa diaspora. Nous avons une diaspora riche d'intelligence, des gens qui font des choses extraordinaires à l'extérieur. Mm. Et tout ce monde-là, je n'ai pas encore vu un Camerounais qui ne veut pas faire un investissement dans son chez pays. Lui. Mm. Un investissement intellectuel, un investissement financier, ainsi de suite. Donc, tous les Camerounais, aujourd'hui, on compte des millions hors de ce pays. Facilitons l'échange entre la diaspora et ce pays. Mmh. Et ça commence avec la double nationalité, tout à fait. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mmh. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez le pays, vous aimez le président, et d'ailleurs le président de la République, lui-même, à Bruxelles, tout à fait. A annoncé la double nationalité. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que ça a été tué au niveau du Parlement. C'est la première fois que le Parlement, à mon avis, agit sur quelque chose d'important. Et c'était pour tuer quelque chose d'important pour le pays. Selon vous, Éric Tshenge, comment lever le verrou définitivement à cette histoire de double nationalité? Non, c'est simple. Le Parlement décide, on va passer cette loi et le président va signer. Et le président Biya avait déjà signalé son intention. Il avait l'intention. De signer. Mmh. Le blocage, c'était donc à quel niveau, je n'en sais rien, mais on m'a dit, puisque moi aussi j'ai mes sources dans ce gouvernement, on m'a dit que les gens questionnaient, n'est-ce pas, l'importance d'ouvrir le champ à ces gens-là. Ouais. Eux, ils sont là, ils gagnent tout, et vous voulez aussi qu'ils viennent ici tout gagner? Mmh. Non. Ce que la diaspora camerounaise renvoie comme soutien financier au Cameroun, c'est pas ce que la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement contribuent à notre développement. Comme aide. Quel est donc où le problème? Ce n'est que des gens de très petits esprits, peut-être dosés avec un peu de jalousie, qui empêchent. Réglons ça, messieurs les députés, madame les députés, réglons ce problème. On sait que vous avez toujours suivi l'actualité camerounaise, étant au pays ou pas. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans l'opposition, d'après vous? Quel regard jetez-vous dans cette opposition? Le problème, à mon avis, de notre opposition, c'est que c'est tout à fait normal quand on crée un parti politique. Et sur les 300 partis politiques au Cameroun, c'est tout à fait normal que chacun qui a créé un parti politique cherche à arriver à la magistrature suprême. Tout à fait normal. Mm. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui se passe au Cameroun. Chacun veut être le prochain Paul Biya. Ils n'ont pas le droit de penser à cela, Éric Tshenge. Mais posez-moi la question, que je vous explique pourquoi j'ai dit cela. Oui, justement, je vais y arriver. Tout le monde veut être le prochain Paul Biya et ce n'est pas ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est un leader qui a un projet de société, qui a une vision pour le Cameroun, qui veut régler les multiples problèmes. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Chacun veut être Paul Biya sans travailler, il me semble, enfin sans vision. Qui? Je vais vous poser la question, hein, Olivier, dis-moi, de tous ceux qui sont sur la scène politique aujourd'hui, qui a présenté un programme politique qui te... que tu trouves intéressant? Je ne saurais te répondre, cher Eric, c'est moi qui pose les questions. Oui, oui, absolument, mais comment vous êtes tous pareils? Il y a Dipita Tongo qui m'a dit la même chose, c'est moi qui pose les questions. Il y a Patrick Christian Ndobo qui m'a dit la même chose, enfin, il y a Parfait ici qui m'a dit la même chose. Mais on suit ton regard quand même. Mais je vous comprends aussi, vous comprends. Non, là, je crois que... je sais pas, il faut... je crois qu'on a du travail à faire, c'est tout ce que je veux dire. D'accord. Parlons un peu de la crise anglophone. On va juste faire une virgule. Hein. Selon vous, quelles seraient des solutions pour mettre fin à cette crise? Définitivement. Il y a de cela, je crois, 3 ans, peut-être, que le président de la République m'a posé la même question. Il a demandé à un de ses ministres
enfin, je peux donner le nom, le ministre d'État Fam Ndongo, il a demandé à Fam Ndongo de me poser cette question de sa part. Et ce que j'ai dit à l'époque s'applique à la situation d'aujourd'hui. J'avais, écoute, il y a une guerre civile au Cameroun. Je ne sais pas si toi, Olivier, tu le sais. Je ne sais pas s'il y a un ministre là-bas, à Yaoundé, qui le sait. Et tous parlent d'une crise anglophone. Donc, quelque chose qui est de l'autre côté. Ces gens-là, ils sont en crise. Ils nous dérangent. On envoie les soldats régler le problème. Non. On est en pleine guerre civile. C'est pour ça que je défie tout le monde de me dire. Je défie surtout les gens qui s'occupent de cette, notre économie. À la mine de l'économie, à la mine Ousmane May, lui Paul Motazé, ainsi de suite, le ministre Atangana au commerce. Je les défie. Il y a eu combien d'investisseurs dans ce pays depuis le début de cette guerre? Combien? La réponse, zéro. Zéro. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Il n'y a pas eu ces investisseurs capables de créer de l'emploi chez nous depuis le début de cette guerre. Tu sais pourquoi? Parce que même les investisseurs qui connaissent bien le Cameroun, qui connaissent la potentialité de ce pays, même ceux-là, dès qu'ils commencent à penser investissement en Afrique, et le Cameroun saute, ils regardent, oh, pays en crise, ils mettent de côté. Pays en guerre. Ils mettent de côté. Le Cameroun compte parmi les pays en conflit. Aujourd'hui, ça ne nous arrange pas. Donc, arrangeons ce problème. Alors, ta question était de savoir comment résoudre ce problème. Tu sais, ce problème, pourquoi ce problème a commencé? Parce que on a toujours traité les anglophones, depuis 62 peut-être, comme les citoyens de deuxième classe au Cameroun. Qui peut accepter chez lui ou accepter que ce que je considère comme étant le chez moi, je suis au deuxième niveau, je suis citoyen de deuxième classe. Impossible. La marginalisation des anglophones, ce traitement comme les citoyens de deuxième classe, ça qu'il faut changer. Alors comment faire pour changer cela? Mais il y a un certain nombre d'actions politiques, administratives, ainsi de suite. Combien d'anglophones sont dans l'administration de ce pays? Combien? Combien de préfets? Combien de directeurs généraux? Combien de ministres? Combien? On peut poser toutes ces questions-là. Et c'est tout ça qui va commencer à donner... cristalliser. Moi, j'étais rédacteur en chef, mais je n'ose pas te dire comment je me battais pour garder mon poste. Pas pour garder le poste, pour le plaisir de garder un poste, mais pour m'imposer. Pour m'imposer. Il y a combien de personnes prêtes à s'imposer? Combien? Et c'est ça le problème. D'accord. Richinger, avec votre expérience, on serait attendu qu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez, pourquoi pas, directeur général d'une grosse structure. D'ailleurs, vos promotions le sont, mais peut-être aussi ministre, ou même plus. Est-ce que vous y avez pensé? Ou est-ce que vous avez eu des propositions? Est-ce que ça vous traverse l'esprit? Olivier, je crois que tu es un espion. J'ai l'impression que tu suis un peu trop ce qui se passe autour de moi. Mais enfin, je peux te dire que même le président Biya a demandé qu'on me fasse des propositions de travail ici. Donc, honnêtement, et je le remercie à chaque fois que je le dis. Je le remercie du fond du cœur. Je peux aussi te dire que mon envie dans la vie, Quand je recherche ma raison d'être, pourquoi Dieu m'a mis ici, c'est pas à travers un poste que je vois ça. Tout à fait. C'est à travers mon comportement vis-à-vis mon prochain. Quand je vois Dieu en toi, je dois me comporter en toute humilité, mais avec tout le respect que je dois en tant que quelqu'un qui porte Dieu en lui. C'est comme ça que je vois tous les Camerounais, que tu sois président de la République ou que tu sois mon ami Guy Kotok, Guy Laroche Kotok, qui est il est infime, il est à Douala, mais son fils aussi est infime. Et je peux te dire que j'ai demandé rendez-vous avec le gouverneur
du littoral, qui m'a reçu chez lui à la maison, hein, Samuel Ivara, il m'a reçu chez lui, et je suis allé le voir pour le problème de Guy Laroche. Tout à fait. Guy Laroche-Kotok. C'est ça. Parce que j'ai autant de respect pour lui que j'ai pour le président de la République. Ce que j'ai fait pour Guy, je le ferai pour M. Biya s'il le fallait. Donc, en fait, et je considère que la possibilité que Dieu m'a donnée aujourd'hui de pouvoir intervenir, c'est ça. C'est plus important que, même postes. Que d'être président de la République. Croyez-moi, je suis... quand je peux aider le moins de ces enfants de Dieu, ça me fait tellement plaisir et ça m'enrichit. Et c'est tout ce que je souhaite. Oui, ça veut dire qu'un poste ministériel... C'est important, mais écoute, hein, ça va me permettre de faire certaines choses. Ouais. Mais ce que j'ai pu faire avec ma vie à la Banque mondiale et ainsi de suite me permet aussi de faire des choses. À ces postes, justement, vous pourriez facilement, d'ailleurs, mieux servir les Camerounais. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que quand je vois ce que les ministres font, ça, j'ai très mal. Je ne sais pas si j'ai même du respect pour la plupart de ces gens-là. Alors, Ritchie, nous allons vers la fin de cette émission. Comment évaluez-vous la qualité des médias camerounais aujourd'hui? Il y a des journalistes, évidemment, qui font du travail vraiment extraordinaire. Et il y a des maisons de presse qui font aussi énormément de travail. Donc, j'apprécie tout ça à sa juste valeur. Mais malheureusement aussi, il y a des farfelus, il y a des rigolos, il y a des gens qui... On se demande pourquoi ils sont dans ce métier. Et dans ce mélange, les Camerounais ne s'en sortent pas, il me semble. Quand je vois les débats de dimanche, par exemple, on se demande, mais ça sert à quoi tout ça? Ça casse les oreilles pour rien. Donc... C'est un mélange, ma réponse est de te dire qu'il y a du travail à faire pour nettoyer, pour améliorer la qualité de la prestation, du produit médiatique. Tout à fait. Et je crois qu'il y a du travail à faire. Je vois ce que vous faites ici, c'est impressionnant. Ce matin, par exemple, j'ai vu une émission où vous parliez de Formol. Extraordinaire. Ça, c'est un véritable problème. Et j'espère que la prochaine fois, vous allez inviter mon ami Dr Mbako. Tout à fait. Alors, ça, pour vous parler. Tout à fait, de ces on en a parlé. Non, enfin, c'est juste à titre d'exemple. Et du côté du gouvernement ou de l'État, pensez-vous que la liberté de la presse est respectée dans ce pays? Vous savez, la liberté de la presse vient aussi avec la responsabilité de la presse. De la presse, si on a ce mélange-là, où il y a des irresponsables dans la presse, ça ne m'étonnerait pas que de l'autre côté, on essaye de limiter, n'est-ce pas, cette liberté. Donc, ça va de pair, la liberté et la responsabilité. Mais il y a beaucoup de journalistes qui font du vrai travail. Je vois, par exemple, parmi comment on les appelle, le machin d'alerte de... il y a certaines personnes parmi ceux-là qui font du... Qui sortent du lot. Qui sortent du lot. Et comme dans la presse quotidienne. Écrite. Presse écrite, radio, télé. Il y en a qui sortent du lot. Et j'espère qu'un jour, on va trouver le moyen de faire en sorte que ceux-là soient dans la majorité. Parce qu'aujourd'hui, il me semble, c'est les autres, moins de qualité là qui est majoritaire. Alors, Ritchie, nous arrivons à la fin de ce programme. Première question pour la fin. Impression d'abord par rapport à ce programme qui s'appelle Face à Face. Ensuite, vos projets, vos perspectives. On voudrait rentrer un peu dans votre tête. Qui est si intelligente et si sage? Merci d'abord pour l'invitation à Face à Face. Je crois qu'en se regardant, on s'est dit pas mal de choses. Tout à fait. Évidemment, ça passe très vite parce qu'il y a tellement de choses, à dire. Mais j'espère que ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent vont en tirer quelque chose. Je l'espère. Tout à fait. Parce que nous le faisons pour améliorer la qualité du débat public. Nous le faisons pour enrichir les esprits. Tout à fait. Pour ouvrir ces esprits-là. Et nous le faisons pour
aider le Cameroun à avancer. Tout à fait. S'agissant de mes projets, j'ai envie de rentrer au pays. Peut-être pas définitivement, je ne veux pas pour rester définitivement. Parce que vous êtes toujours entre deux avions. Oui, il est vrai. Et peut-être c'est un peu difficile, surtout avec l'âge. Hein, on est en train de prendre de l'âge, c'est plus évident. Mais je suis passé, c'est la première fois en 35 ans que je suis resté plus d'un mois au pays. Mmh. Je venais souvent pour 3 jours, une semaine, maximum 10 jours. Tout à fait. Donc, je commence à passer plus de temps et ça va continuer comme ça. Mmh. Je viendrai peut-être pour 6 mois la prochaine fois. Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'était un plaisir. Et on espère te retrouver très prochainement, peut-être dans d'autres émissions, pourquoi pas, dans d'autres programmes. Ça fait chaud au cœur hein, de voir, d'avoir interviewé l'homme qui a interviewé le chef de l'État. Merci beaucoup. Merci Olivier et à très bientôt. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce programme. C'était sur ce plateau de Face à Face Eric Tchindje, une voix incontournable dans les médias en Afrique et même dans le monde. Celui-là aussi qui a sillonné les couloirs de la Banque mondiale. Celui-là qui a représenté le Cameroun au plus haut niveau. Avec lui, nous avons échangé pendant près d'une heure sur son parcours et sur ses perspectives, surtout aussi sur sa vision. C'était Face à Face. Merci, chers téléspectateurs. Restez fidèles sur Carrefour Télévision. À très bientôt.